bien, salut à tous les amis, c'est Galaxy Gamer, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Tout d'abord, j'espère que l'intro vous a plu. Bon, ben, j'ai trouvé cette musique de la Coupe du Monde, hein, je pense que vous la connaissez très bien. Mais aujourd'hui, on va faire un petit review de Karim Benzema version World Cup. Alors là, déjà, regardez-moi cette carte, déjà, elle a l'air très attirante, vraiment. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu Benzema dans un pack et là il a été upgradé, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un review. Et dans quelques instants je vais vous montrer quelques stats magnifiques. Regardez-moi les contrôles, centre, dribble, effet, finition, précision coup franc, précision tête. Pour l'instant c'est déjà bien. Après on voit 10 tirs de loin, 90, penalty 97, passe court, c'est tout. C'est tout à fait magnifique. 86 en accélération, agilité 86 également. Équilibre pas mal, détente pas mal non plus. Réactivité, vitesse, endurance, force, agressivité, placement offensif, c'est pas le meilleur. Vista non plus, mais Karim Benzema est un redoutable attaquant. Donc je vais vous montrer quelques clips dans un instant. Donc en même temps, je vous montre l'équipe, je vous parle de Benzema. Alors pour commencer, Benzema a une bonne vitesse, faut pas le nier. C'est la vitesse requise pour un attaquant. Donc ça c'est un point important. De plus, il est pas mal en dribble, 86 en dribble, c'est très bien pour un attaquant. Cependant, ce que j'ai trouvé assez embêtant chez lui, c'est son équilibre. Son équilibre n'est pas parfait, et ce qui fait que parfois, si on a envie de faire des tirs croisés, ça peut ne pas réussir. Donc, l'équilibre est très important chez un attaquant, mais ce n'est pas très problématique. Donc là, j'ai déjà commencé par le point faible. Les points forts, alors, on a plein. Donc j'avais dit la vitesse, les dribbles, 4 étoiles gestion, 4 étoiles mauvais pied, ça faut pas l'oublier, c'est très très important également. Un très très bon jeu de tête, hein, vous verrez que j'ai marqué environ 3 ou 4 têtes ou je sais pas combien. Mais voilà, c'est important d'avoir un attaquant aussi très fort en tête. Très très bon stat en passe, hein, je pense qu'il a 85 en centre et 96 en passe courte, c'est très très bien également pour un attaquant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, il a de très très bons stats en effet et en puissance de tir, donc ça c'est super important si on veut avoir une finition parfaite. Donc gardez ça dans votre tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il a une force acceptable, hein, 82 en force, c'est pas vraiment parfait, mais c'est tout de même bon, hein, pour être honnête avec vous. Vous verrez dans quelques clips où vraiment les défenseurs ne peuvent pas le rattraper. Donc c'est pour ça que la force est très important pour un attaquant. Et en même temps, ce qui est bien aussi, c'est que Benzema, il a tout ce qu'il faut pour un attaquant complet. C'est vrai que c'est pas Luis Suarez qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus costaud, meilleur en finition, tout ça. Mais Karim Benzema fera l'affaire. Donc si jamais... vous avez les moyens de vous l'acheter dans le fut normal, n'hésitez pas à l'acheter, il est super bien. Mais si jamais vous avez eu de la chance dans le mode fut World Cup et que vous l'avez eu dans un pack, n'hésitez pas à créer une équipe. Autre chose à remarquer, c'est que parfois les gestes techniques ils marchaient pas à chaque fois. Bon, c'est assez problématique parce que moi j'aime bien ce qu'il est, mais bon, vous ne devez pas vous attendre à vouloir 5 étoiles gestes techniques. Mais bon, je vous assure que Karim Benzema est un joueur très redoutable. Donc là, on se retrouve pour le récapitulatif. Donc comme j'avais dit, vitesse, contrôle de balle, finition, puissance et effet, force, 4 objets techniques, 4 mauvais pieds, jeu de tête et passe courte. Et en équilibre, c'est le seul point faible. Donc voilà, j'espère que vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Et on se retrouve une autre fois. Bye bye.